tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog festival parce que oui, ça y est, je commence le festival interceltique de Lorient qui se passe sur 10 jours. Moi, je vais faire aujourd'hui, samedi, dimanche et mercredi. Donc aujourd'hui, on est le 2 août, voilà. Donc moi, je serai au badge ambulant et à poste fixe, voilà. Donc je t'emmène avec moi, c'est parti. We don't talk anymore. Voilà, attends, je suis en train de tour. Du coup, voilà où est-ce que je vais travailler durant tout le festival. Voilà, on a une petite cabane, voilà, avec du coup, je vais prendre l'argent pour les badges ici. Voilà, j'ai mon petit TPE qui est juste là, ma petite table avec la chaise et tout ça. Donc, bah, ça va être sympa pendant ces 3 jours de travailler comme ça. Mon petit t-shirt, mon petit badge, voilà, comme ça. Et les badges à vendre sont là. Ça se présente du coup comme ceci, voilà. C'est ce qu'il faut en fait pour rentrer sur les sites après 19h et c'est 5 euros seulement, donc voilà ce que je vais faire.
Le bagage de l'Ambéguée participe au rayonnement de la marine dans ce monde, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Le cercle de Saint-Malo évolue en première catégorie de la Fédération Parleur. Le cercle de Mur de Bretagne qui évolue en première catégorie. Dernier jour du festival interceltique, on est le mercredi 7 août, ouais, aujourd'hui j'ai mis le paquet, c'est le dernier jour. Alors j'ai sorti le tutu, les collants, voilà,
Bref, j'ai craqué mon slip. Voilà comment j'ai fait au niveau des yeux. Ouais, du coup, dernier jour au niveau du festival interceltique. Je suis du coup en vente au badge en ambulant, pas en fixe. Donc, c'est pas ce que j'aime le plus. Mais bon, je fais de 17h à 19h. Donc, ça devrait le faire. Et là, j'attends ma responsable de bénévole qui va venir maintenant. Voilà. Et du coup, bah, je t'emmène avec moi.
cœur, Lizardo Lombardia et le Festival interceltique de Lorient pour leur accueil et leur soutien. Les enseignants et les élèves du lycée Marie Lefranc de Lorient pour la conception et la réalisation des coiffures et des maquillages. Et bien sûr les mannequins qui avec prestance ont tenu, qui a cette tenue.